Hola. Cette semaine, on est sorti. On est sorti pas mal même. Tu viens me chercher ou pas? C'est qui là? Tu viens, on va sortir. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je vais acheter des roquettes de boue. Pour faire quoi? Des boucles d'oreilles? Non, pour les assiettes. Des petits poissons que tu ne peux pas tuer. Ouh. Quelle horreur. Tu vois, tu veux jouer à ça? Prends ça, prends eux. Non, ils sont trop intenses. Comment ça ils sont intenses? Attends, c'est manqué. Oh, les petits chichous! Essaye pas de me perdre, hein. Mais j'avais vu de l'autre côté. Arrête! De l'autre côté? Arrête! C'est long parce que... Oui. Arrête d'essayer de me perdre en tant que temps, Isabelle. Tu sais très bien que j'aime pas cet endroit. C'est tout ce qui reste? Ouais. Il n'y a pas le alien? Non, il l'avait pas l'autre jour non plus. Il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Chier ça. Je sais. Quelqu'un a un alien de la marque Construx ou sait où est-ce qu'on peut le trouver? On le cherche activement. En vous remerciant. T'es encore là toi? C'est ici que le make-up vient mourir. Preuve. Trop triste. Oh. Faudrait que je fasse le challenge d'acheter du make-up en liquidation. Oh putain. N'importe quoi. Et aussi, j'ai vraiment très très bien mangé. Du coup, juste parce qu'il est barbu. Mais ce dont je voudrais vous parler, en fait, au début, je m'étais dit que je ne relèverais pas. Il faut que je me mette à l'épicier. Je ne relèverais pas le commentaire. Mais je me dis que c'est pas normal. Et je pense que si je le laisse aller et que j'ignore. Bah, le commentaire est supprimé sous la vidéo, mais si j'ignore ce genre de choses et que je laisse aller, c'est comme banaliser et accepter que les gens soient irrespectueux. Fait, je vous lis un commentaire que j'ai reçu et qui est maintenant supprimé. Oh non, c'est pas possible de manquer de respect aux gens qui regardent. Pourquoi n'attaches-tu pas tes cheveux? Ça fait super négligé. Pour YouTube beauté, ça donne pas envie. Et ton fond d'écran, trois petits points. Et ton make-up tout sale, trois petits points. Mimi est tellement distinguée et propre. Autre commentaire. Pourtant, tu es toute jolie, c'est dommage. Premièrement, je t'ai rien demandé. Deuxièmement, je pense que quand tu t'invites chez des gens pour regarder quelque chose, tu dois respecter l'environnement dans lequel tu arrives. Genre, quand tu arrives sur ma chaîne, ça dit quoi? C'est bienvenue sur mon channel. Et le nom de ma chaîne, c'est mon nom. Ça veut dire que c'est comme si moi, j'arrivais chez toi. Oui, excusez-moi, j'ai un ongle cassé. Et tu vois, ça m'a rendu super self-conscious alors que ça devrait pas si nous, on est ici à la cool. C'est comme si, ouais, c'est ça, j'arrivais chez toi et que je te disais oh, c'est pas bien épousté chez toi, tu devrais faire mieux quand même, tu reçois du monde. Qui es-tu pour me dire ça? Donc, je voulais juste relever ce genre de commentaire. C'est le genre de commentaire qui ne sera jamais publié sur ma chaîne. Nous ne sommes pas là pour voir de la négativité. Nous ne sommes pas là pour voir de la méchanceté gratuite. Je prends très très bien la critique en elle-même. Puisque je vous permets et je vous sonde à chaque fois. Si je vous sonde, c'est que je veux savoir ce qu'il en est. Par exemple, au niveau de ma nouvelle caméra. Mais c'est pas celle-ci, mais la dernière. Mon éclairage ou quand on teste du make-up ensemble. C'est toujours très, très cool.
et j'ai jamais eu de problème avec ça, ça m'a jamais dérangé. Ça m'a jamais dérangé que vous n'aimiez pas mon style, mais que vous ne soyez pas comment dire 100% pareil que moi. C'est vraiment, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que il y a des gens qui s'invitent et qui se permettent de critiquer, surtout quelque chose que j'ai pointé dans la vidéo, comme quoi j'avais pas fait exprès et que c'était comme ça, et puis c'est tout, voilà. Donc c'est juste ça me dérange. Après, j'ai montré ça à mes amis, puis j'ai une de mes meilleures copines qui m'a dit: plus tu vas avoir des abonnés, plus ça risque de t'arriver. Et j'ai pas envie de laisser ça arriver du tout. Donc quand ça va arriver, ce sera automatiquement supprimé. Je dis pas que ça ne m'a rien fait, ça m'a choqué et ça m'a rendu très... c'est ça, self-conscious sur tout ce que je faisais, alors que je voudrais être naturelle et spontanée, et que c'est ça qui fait que on soit tous très bien ensemble. Donc je voulais juste passer à ça. Maintenant, en ce qui concerne les bonnes nouvelles, cette semaine j'ai une nouvelle caméra, et comme vous allez le voir, ça a pris quelques petits ajustements. Je suis un peu nerveuse, je ne mentirai pas, cette nouvelle caméra me stresse. Je sais pas. Je vais faire des close-up peut-être, parce qu'il y a du soleil en fait, et une nana ici. Voit-on quelque chose? A-t-on la magie de l'autofocus sur cette caméra ou pas? Ah oui, mais c'est parce que j'avais dit de focuser sur ma face. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Mais comment on éteint ça fait? Est-ce que vous voyez? Ou est-ce qu'il faut que je fasse encore ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et si je fais ça? Je m'excuse, je regarde toujours là pour être sûre. Il était bien bien creusé. Est-ce que si je fais ça, on voit mieux? Genre... ah oui. Ok. Je voulais juste savoir. Regardez, bon. Je vais comme ça. Je vais vous ramener. Ah! Je veux pas salir mon écran. Est-ce que j'ai réussi mon autofocus, moi? Oui! Mettre par-dessus. Est-ce qu'ils m'ont rien? Pourquoi suis-je mauve sur le viewfinder? Bien sûr, ça ne m'a pas empêché de faire des conneries encore cette semaine. Que voulez-vous? Je vais me salir. Ma mère veut pas. Je vais pas mettre du fond de teint sur mon... si, j'ai mis du fond de teint. Voilà. Bravo. Le orange, le rose ou le... répondez-moi. Je sais pas où me laver. Encore. Faudrait qu'éventuellement j'ai un mouchoir ici. Surtout, elle a aussi... comment dire? Comment? Je ne sais pas. Elle... je ne sais pas. La fille n'arrive pas à parler. J'ai un petit unboxing pour vous si ça vous tente. Alors, regardons, j'ai reçu deux paquets. Un de chez Jean Coutu qui m'a envoyé des produits NYX à tester. Donc j'ai des palettes de surligneur. C'est encore écrit surligneur. Ah, ici, il faut que je fasse comme ça. Vous voyez ici? Je vais ouvrir ceci. On va les swatcher parce que j'étais vraiment curieuse et j'ai attendu de filmer ce segment. Tout comme la dernière fois, ils m'ont demandé de choisir ce que je voulais. Donc j'ai pris celle qui m'interpellait, ce qui est génial. Alors j'ai pris la couleur Break the Rhythm, qui s'appelle Rompre le rythme, qui est un peu rose... gold. Je vais vous mettre à la lumière, ça va être mieux. Comme ceci. Je sais pas si il y a des anciens de ma chaîne qui sont là, mais la première chaîne que j'ai eue, on filmait ici. C'était cool. Ça. Oh, c'est crémeux. Oh, quelle beauté. Break the Rhythm. Et l'autre, je l'ai pris parce qu'elle était vraiment intrigante. On aurait dit un gris. Lavande dorée, je sais pas trop. Et ça s'appelle Ne cède pas. Stand your ground. Et qui est comme ceci. Je sais pas si vous voyez les. Testons. C'est aussi très. Ah, beaucoup moins pigmenté que l'autre. Attention. On va les essayer sur le visage, mais somme toute, ça a l'air très prometteur, très métallique. Et aucun des deux n'est pailleté. Merci! Et j'ai aussi choisi 3 gloss. C'est des chromatiques duo. Duo chromatique. Oui,
Alors j'ouvre ceci. Oh, j'aime ça que le paquet soit facile à enlever. Donc ça s'appelle Cocktail Party, soirée cocktail. Et je sais pas si vous voyez qu'il est multichrome, genre rose, or, vert. Merci. Moi j'ai apporté tout au cas où tu faisais un haut. Non, je fais un unboxing. J'ai pris la jette des maquillants. On a des cotons, on a un bidou, on a un mari qui s'en va. Fait qu'on va essayer ça. Oh, quelle beauté! Est-ce que vous voyez que ça passe du rose au vert ou au doré? Alors là, bluffance. The new normal. Le nouveau normal. Est-ce qu'en France tout est traduit? Il me semble que non, mais confirmez-moi ça. Est-ce que vous aimeriez? Moi ça me dérange pas que ce soit toujours en anglais, mais bon. Alors lui c'est un lavande bleuté aussi. Aussi non. C'est un duochrome aussi. Vous voyez, même vert un peu. J'espère que ça va être beau sur moi, mais bon. Ça serait tellement beau en fard à paupières. Les deux là. Et l'autre que j'ai pris c'est Spring It On, c'est le printemps. Et lui il est comme rose or. Aucun de tout ça n'est pas été. Ah lui se ressemble un tout petit peu. Mais l'autre a un duochrome vert plus prononcé. C'est magnifique. Je suis ravie. Essayons ces lingettes à 1,99€ de chez Winners. J'ai pris ça, le coco, ça sent le coco. J'aime beaucoup le packaging. Il y en avait d'autres, des gros paquets, genre 6,99€, mais je voulais pas m'engager sur quelque chose qui allait me filer des boutons, genre. Non, ça part pas très bien. Donc j'ai reçu la nouvelle collection Miracle Gel de Sally Hansen, et c'est la collection Travel in Color de Sally Hansen. Donc je sais pas si vous êtes familier avec cette collection là, c'est un vernis et un top coat gel sans besoin de lumière ou quoi. Ça tient super bien, c'est super brillant, j'adore cette gamme là aussi. Et donc j'ai eu plusieurs couleurs, j'ai eu Sweet Tea, Little Peony qui est un blanc avec un tout petit peu de rose dedans, c'est magnifique. Tout est crème, j'aime beaucoup les crèmes de Sally Hansen. Lui c'est Thrill Seeker, encore un nude. In the Sheer, donc c'est ce que vous entendez, c'est mon chat qui joue avec les lapins de Lindt. Vous savez les lapins, les chocolats avec la petite clochette. À chaque fois on lui file. À chaque fois on lui file la clochette parce qu'elle adore jouer avec. Donc, In the Frill, qui est un tout petit peu plus rosé que celui-ci en fait. Et les autres c'est des couleurs. Lavande, que j'adore les lavandes. Orchiding Aside. Et lui s'appelle Lilac Insomniac. Rien à voir avec le lilas, mais c'est beau pareil. Et un super mignon bleu qui s'appelle Sugar Fix. Et comme ça. Ça c'était le PR que j'ai reçu cette semaine. Passons au youtubeur du jour. Le premier du bord. Non, aujourd'hui je ne me suis pas maquillée, j'ai un peu mal à la peau et du coup on se calme. Oh, je suis contente que ce soit elle. Émilie Noël. Si vous ne connaissez pas Emily Noël, ça va devenir votre meilleure amie. Encore une fois, c'est une américaine, mais je... Sachou ? Merci ! Yeah. Je vous conseille vraiment ces vidéos. Elle est spécialisée plus vers le maquillage pas cher. Donc elle a commencé comme ça. Elle a étendu depuis, ça fait des années qu'elle est sur... Je pense que c'est une des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube. Et franchement, vous ne pourrez jamais ne pas, comment dire, vous attacher à Emily Noël. C'est une maman de deux enfants. Elle est terre à terre, loin
du drama de YouTube, loin de toutes les controverses, pas de sponsorisé, rien du tout. Tout ce qu'elle fait, c'est 100% recherché par elle-même. Elle reçoit du PR et évidemment, elle a 950 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Elle en mérite 10 fois plus que ça. Elle est authentique, elle est géniale. Ses recherches sont toujours très pertinentes et ses revues aussi. Et mon dieu, je pourrais passer des journées entières à juste regarder ses vidéos. Franchement, je vais mettre sa chaîne dans la barre d'infos et je vais vous quitter sur cette excellente nouvelle. Je vous dis à demain pour une vidéo de favoris. Et si vous n'avez pas vu les empties, je vais les mettre juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et n'avez pas encore cliqué la petite cloche, abonnez-vous ici, cliquez la petite cloche ici. Et si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui est là. Je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne et de sponsoriser cette vidéo. Et merci de votre support. Je vous embrasse tous très très fort. Et je vous dis à lundi. Bye.